Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Studio Vlog, c'est l'épisode 27. Du coup il y a pas mal de petites préparations de commandes de ma boutique Etsy et un peu d'illustrations pour ce Studio Vlog. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos comme celle-ci sur l'illustration et puis il y a aussi beaucoup de vidéos sur la mode et la seconde main. Donc si jamais ça vous intéresse également, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup voilà, il y a, à partir de maintenant il y a une seule vidéo par semaine, ce sera du coup tous les dimanches à 16h, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification si vous voulez être averti dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Du coup voilà. Pour cette illustration j'avais envie de dessiner la plante qu'il y avait à côté de moi sur mon bureau. Au final ça ressemble, enfin j'ai pris l'inspiration et la forme globale de base de ma plante, mais en fait j'ai quand même changé pas mal de détails, la couleur du pot, même les feuilles sont pas exactement pareilles, etc. Mais c'était juste pour m'inspirer de quelque chose de concret, un peu comme un croquis, mais j'avais quand même envie d'en faire quelque chose de différent. J'aime beaucoup mon dessin de base et après j'ai voulu ajouter des petites choses, vous le verrez, de manière numérique. Après je suis un peu dans une phase d'expérimentation avec le numérique encore pour certaines choses. Du coup je suis pas tout à fait satisfaite du résultat final avec le numérique. Je préfère au final le dessin de base que j'ai fait. Mais c'est pas grave, ça m'a permis d'apprendre quelques petites techniques de trame, de choses comme ça après sur ordi. Donc voilà, je pense que c'est à force de l'utiliser que j'arriverai à mieux maîtriser ces outils-là. Ça dépend en fait de ce que je fais, mais généralement je sais utiliser Photoshop. C'est juste que des fois je trouve que c'est dur de trouver le bon équilibre entre le dessin tradi et le numérique, parce que moi j'aime bien mélanger les deux. Et j'ai un peu mes recettes que j'utilise tout le temps avec mes réglages, etc. Mais là j'avais envie de tester quelque chose de nouveau et au final ça, le résultat final ne me plaît pas tant que ça, mais je pense que je vais continuer à m'entraîner avec ces nouvelles fonctionnalités que je teste un petit peu. Du coup voilà, c'était un peu un crash test on va dire. Sinon bah, comme d'habitude j'aime bien mélanger toujours mes points marqueurs et mes crayons de couleur. Comme d'habitude, ça apporte de la texture, le crayon de couleur que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est toujours deux outils que j'adore mélanger. Donc là, les clips que vous voyez là, c'était filmé soit le soir quand je rentrais du travail, parce que j'étais encore à temps partiel à ce moment-là, soit le matin avant que j'aille au travail. Je me réveillais souvent, enfin en fait je me levais souvent vers 7h pour avoir des choses, pour avoir du temps libre en fait avant de partir au travail. Et l'après-midi je rentrais vers 15h à peu près, donc ça me restait du temps pour faire d'autres choses. Mais du coup, si vous n'étiez pas au courant, je suis maintenant à plein temps dans mon travail qui était à la base alimentaire, mais ben voilà, j'ai besoin de ce travail pour vivre, donc j'ai accepté le plein temps qu'ils m'ont proposé, je suis même très contente. Mais si vous n'aviez pas eu cette info, je vous remets dans le petit i en haut ben, toute la vidéo que j'ai fait sur voilà, mon changement de travail, on va dire, même si c'est dans le même travail, enfin bref, voilà. Du coup là c'est un peu les derniers clips de ce que j'ai pu dessiner les jours de la semaine avant d'aller au travail, parce que maintenant ben, je pourrais plus le faire ça. Dans les prochains studio vlogs ça sera seulement des clips ben, issus de mes week-ends pour la plupart, parce que ben, le soir quand je rentre je suis assez fatiguée et surtout voilà, j'ai juste envie de me reposer parce que ben, j'ai travaillé déjà 9h dans la journée quasiment, donc j'ai un peu envie de me reposer et je me couche assez tôt, donc je vous filmerai plutôt des studio vlogs le week-end maintenant. Voilà.
Du coup, le dernier tote bag est enfin parti. Donc maintenant, il n'y a plus du tout de tote bag disponible sur ma boutique Etsy. Elles sont tous vendues. Merci beaucoup à tous ceux qui en ont acheté. Ça me fait très plaisir que ce produit vous ait plu parce que j'ai vraiment adoré les faire. Ça allie un petit peu ce que je faisais en design textile, on va dire, et en illustration. Donc c'était vraiment des produits que j'ai adoré créer et réfléchir et faire ma petite collection de six tote bags. J'ai trouvé ça chouette. Et j'aimais bien le fait que ce soit un petit peu des pièces uniques. Je trouve que c'est plus sympa pour vous d'avoir vraiment des choses uniques et faites main. Je trouve que c'est plus sympa. Du coup, je suis contente que ça vous ait plu parce que j'avais vraiment adoré les faire. Si ça plaît à tout le monde, tant mieux. Je sais plus si je vous avais dit, mais en fait, on a un chat qui squatte un petit peu l'immeuble et d'autres immeubles dans la rue.
C'est un chat en fait qui a été un petit peu délaissé pendant un temps et qui habite chez une voisine. Et il était tout le temps dans notre immeuble et des fois il grattait à notre porte. Mais moi je suis quand même assez allergique aux chats. Après ça dépend des chats, mais souvent je suis très allergique, donc on l'a jamais vraiment laissé rentrer. Enfin, une fois il est rentré un peu en mode voyou, mais sinon on l'a jamais vraiment laissé rentrer. Et en fait j'ai vu que la dame en question qui a ce chat avait mis une pancarte vendue sur son appartement, et donc en fait j'ai compris qu'il allait du coup déménager. Puis peu après on a vu que tous les gens dans l'immeuble, parce que tout le monde avait des litières et des trucs pour lui en fait, du coup on a vu que tout le monde se débarrassait des litières ou lui donnait à la voisine je crois, enfin bref. Du coup on était un peu triste parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu avec mon copain le chat, et au final je sais pas pourquoi mais je sentais trop qu'on allait le voir ce jour-là. Et du coup, je l'avais dit à mon copain, j'avais dit, imagine, il y a Gris-Gris dans l'immeuble. Et il était là, c'était trop drôle. Du coup, voilà, il y a quelques petits clips de Gris-Gris, ce chat qui squatte et qui est très sympa. C'est un petit peu un ronchon, des fois, genre, il veut des caresses, puis après, 2 secondes après, non. Enfin, c'est un chat, quoi. Mais on l'adore. Et il va nous manquer, il était très mignon. Et là, vous pouvez voir que je prépare une très grande commande. En fait, c'est une abonnée qui a déjà commandé plein de fois sur ma boutique. Je suis trop contente à chaque fois que je revois qu'elle commande. Ça m'émue trop parce que je trouve ça trop mime parce que quelqu'un recommande plusieurs fois sur ma boutique. Et vous êtes deux comme ça, deux abonnés qui sont trop choux, qui avaient commandé déjà 2 ou 3 fois. Il y en a deux vraiment qui commandent à chaque fois et qui sont trop choux. Donc petite pensée à Margot et Mumu, parce que merci beaucoup, beaucoup pour vos commandes. À chaque fois, ça me fait trop plaisir. Et donc là, il y avait une commande avec un grand print, parce qu'en ce moment, ils étaient en promo là jusqu'au 4 juillet. Donc là, vous avez plus qu'un jour, je pense, ou juste aujourd'hui pour profiter de l'offre, si ça vous intéresse sur les grands formats. Voilà, j'avais décidé de faire cette petite promo pour essayer d'écouler, mais c'est vrai que les grands formats c'est plus difficile à mettre chez soi et tout, donc ça part moins vite que des cartes postales par exemple. Mais en fait, moi j'avais déjà des rouleaux que j'avais achetés avant, et avant à la poste il n'y avait pas de. Je sais pas comment dire, mais en gros les tarifs pour un colis carré et les tarifs pour un colis rouleau c'était les mêmes. Or en fait, là ils sont en train de tout mécaniser pour supprimer des postes tout simplement hein, et pour se faire plus d'argent. Et sauf que du coup, les rouleaux je sais pas comment ça s'appelle, dans les machines qui trient, quoi, enfin bref, ça ne passe pas, les rouleaux, dans ce genre de machine. Il faut des humains pour s'en occuper. Donc en gros, ce qu'ils ont fait, c'est que les rouleaux, maintenant, il faut que vous payiez le prix du colis plus 6 euros. Donc c'est-à-dire que là, on en est à 11 euros d'envoi, hein, pour quelque chose qui fait même pas 1 kilo, hein, c'est pour 500 grammes, un truc comme ça. En tout, 11 euros. Pour que, en gros, votre colis, parce qu'il va être géré par du coup, un ouvrier humain et pas une machine, du coup, vous payez plus cher. Alors qu'avant, c'était que des. Enfin, que des. Je sais pas comment dire, mais oui, des ouvriers humains. Et on payait ce prix-là. Et maintenant que tout est mécanisé, vous devez payer plus cher pour qu'une personne s'en occupe. En fait, moi, ce qui me choque un peu, c'est que le prix du colis en lui-même, il a pas baissé. Malgré le fait que tout soit mécanisé. C'est-à-dire que eux, en gros, le prix du colis, il n'a pas changé. Donc eux, ils se font une marge de malade parce qu'ils n'ont plus d'employés à payer. Et en gros, le gars m'a fait du coup bricoler un genre de triangle en carton que j'ai scotché à mon rouleau pour que mon rouleau ne roule plus. Voilà, tout simplement.
Donc, en gros, c'est pour faire une cale à ton bureau, quoi. Bref, je trouve que c'est vraiment pathétique parce que les frais pour nous ne changent pas, mais eux, du coup, ils suppriment juste des postes et puis et laissent payer tout aussi cher, voire même plus qu'avant, alors qu'ils ont supprimé des postes. Là, à l'heure où je vous parle, il ne me reste plus qu'un seul atelier avec les enfants. Pour ceux qui ne savaient pas, je faisais des ateliers dans une école primaire avec la ville de Paris pour faire un atelier illustration. Donc là, j'ai trié tous leurs dessins, j'ai fait des piles par prénom pour chacun d'entre eux. Et je les ai tous perforés et j'ai aussi utilisé ma petite perforeuse d'angle. Pour faire vraiment une forme de carnet pour qu'à la fin ils aient un bel objet avec eux. Et du coup, là, alors que je vous parle, normalement on les aura déjà reliés en cours. Et là, il me reste plus qu'une séance avec eux. Je pense qu'on va faire des jeux, un genre de Pictionary, ce genre de choses, des petits jeux mais avec du dessin quand même. Et puis peut-être je leur demanderai d'amener des bonbons, des trucs comme ça pour que. Voilà, ce soit les vacances officiellement. Mais c'était très sympa ces ateliers, c'est juste que du coup avec mes nouvelles horaires et mon travail à plein temps, maintenant je vais devoir arrêter. Donc là j'ai continué jusqu'à la fin de l'année scolaire, mais je reprendrai pas à la rentrée du coup. Mais c'était très sympa, en vrai, j'ai bien aimé. C'est juste que je peux pas cumuler tous ces emplois, c'est physiquement pas possible, je ne peux pas être deux endroits en même temps. Bon voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit vlog un peu plus tranquille, du coup à l'avenir il y en aura peut-être un peu moins souvent parce que j'aurai juste tout simplement moins le temps de dessiner. Mais j'essaierai quand même de vous en faire parce que c'est des vidéos que j'adore faire et que voilà, je mets beaucoup de cœur à l'ouvrage comme on dit et ça me plaît beaucoup de les faire, donc il y en aura toujours, mais peut-être un peu moins. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner si ce n'était pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà. Bye.